Mais ce qui est vrai, les jours où moi je vais croiser ou rencontrer le président Fatih comme intouchable dans le monde. Pardon? Mouko, on a aux occasions de prendre le président Fatih. Mama Vero, Bupanda, Mamana, Eme Kamwanya. Kamso, Yashino, Ubide. Que la lumière soit et la lumière fut. Voilà pourquoi au crépuscule de l'année 2022, je parle d'aujourd'hui, nous vous offrons cette très belle émission à caractère lumineux. Je parle de la lumière spirituelle, mais je ne suis pas seul, je suis avec un maître où vous allez découvrir d'ici là, Boye Bazanani, Yemuropé, sa auto-explication. Je vous rappelle que nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, partout où vous nous suivez, salut le monde et salut le monde à la présentation. Appelez-moi Jordan Mavungu. Bonjour maître. Bonjour Presse Amboka Jordan Mavungu. Nous les Aéniens nous disons à chaque fois l'os des mons qui l'os des mons. Paix et amour envers nous. Non, 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 non. C'est en langue céleste, les langues des Aéniens. C'est quoi la langue céleste? La langue céleste, ce sont des langues qui sont inspirés par les êtres qui vivent hors la planète Terre. Okay. C'est-à-dire les langues terrestres, ce sont les langues Otolobaka, Kikongo, Lingala, Tchuluba, français. Mais la langue wana omonaka mingi, c'est ok la pratique spirituelle et vipakati. Parce que la langue wana ils ont transcendé le plan spirituel ou le plan dimensionnel. Ok. Tel que les langues célestes, tout le monde a un sanskrit, ils ont une ancienne langue, oibunga, même peu langue haïtienne, ils ont une langue céleste. Très bien. Donc, si je comprends bien, c'est comparable à la langue oyoba, chrétien, ba chinda, ba, yaba chondo, bo. C'est approximatif parce que cette langue, nous avons comme l'impression qu'ils appellent la langue céleste. Non. À ne pas confondre les grimaces avec la spiritualité. Les grimaces, c'est quoi, maître? Permets-moi, Jordan Mavungu Pressamboka. Quand on parle de grimaces, c'est-à-dire une personne veut impressionner les gens. C'est ce qu'on appelle la prestidigitation. Ok. C'est-à-dire, na ko vanda awa, na sali tour moko ya magie, na bimisi mutu mille pattes na nzoto. Mais en réalité, na ko sa nga bato. Ok. Ah, c'est lui là est puissant. Mais or, la spiritualité ne se base pas par des démonstrations. La spiritualité est basée sur les réalités naturelles et la simplicité. C'est ça qui a fait que la sagesse de Dieu a fait que ce qui est spirituel reste invisible et ce qui est visible et ce qui est physique soit visible. Okay. C'est-à-dire, les langages célestes, ce sont des langages codifiés et révélés qui ont de grandes vibrations. Prenons le cas dans l'ordre des Aéniens. Nous avons un mantra qu'on appelle le mantra du soleil. Quand nous sommes en train de réciter ce mantra-là, comme ça fait partie du langage céleste, s'il y a quelqu'un qui pratique le négatif, ou il y a un sorcier, ou il y a un maléfique, à quoi supporter. Mais au moment où on va chinda baba, on va bandoki, on va sabaji. Tu vas avancer, pour ça. Excusez, j'ai beaucoup de respect dans ma croyance, Baninga. Mais Bashinda Babawana, ça ne signifie rien. Ils ont la code de thé. Dans la Bible, hein? Oh! Pour votre information, je suis un gradué. Ok. Donc, je suis un scientifique. Ok. Je lis la Bible, je lis le Coran. Ok. Très bien. Je vous rappelle, fidèle ami internaute, qu'il est le représentant légal en République démocratique du Congo des ordres des Aïnés. Mais il y a un ami à Paris, CJ Fula, que j'ai sali en passant. Abisengai, mais Moutunayoana, Teo Kakaza, représentant légal. Ni Mukanda, Tonzima, Kapuka Tonzima. Un mot? Merci beaucoup. L'ordre des Aïnés n'est pas une religion qui est basée ou qui est créé par des schismes ou par dissidents. C'est-à-dire, l'ordre des Aïnés, c'est d'abord une religion qui est révélée par les anges noirs. Nous sommes reconnus par les journaux officiels du siège mondial de l'ordre des Aïnés, qui est au Congo-Brazzaville. Okay. Nous avons les réciprocités, okay, qui est comme notre personnalité juridique.
Je suis mandaté par un diplôme bien certifié. Tout le monde en a, pour TV, ça, radio, si on peut nous aider, okay. Ça, c'est déjà mon diplôme. Ok. Qui me certifie comme un maître spirituel de deuxième degré dans l'ordre des aînés. Ok. Il faut savoir, un initié de l'ordre des aînés de premier degré est 10 fois plus puissant qu'un franc-maçon de 33e degré. Monsieur. Bandela n'est pas le lobby. Je dis un initié de l'ordre des aînés de premier degré est 10 fois plus puissant qu'un franc-maçon de 33e degré. C'est fort, hein? Vous allez me poser la question, pourquoi? Pourquoi? Parce que. Excusez-moi. Merci. Oui, parlez. En réalité, toutes les religions ou les divinités importées n'est venu que pour le commerce. Voilà pourquoi les dirigeants. Occidentales, européennes sont des francs-maçons, des rosicriciens, au bango basalaka, bas confrères na bango africains, au basala bas même loge basalaka en côté. Bango spiritualité, bango se permet de bango pour nous comme l'âme, y a race blanche n'est pas mindéne, mais puisque ça y a détruisement, y a peuple noir. Ok. Alors, ce que moi je peux faire, sans tisane, sans grimace, sans fétiche, je peux pratiquer. Des produis-je avec la puissance qui dorme en moi. Mais un franc-maçon a besoin des accessoires spirituels pour essayer un peu de faire certains rituels. Ah, donc, bien, vous allez dire quoi, franc-maçon ? C'est-à-dire, nous avons traité ma maladie mystique sans maille, sans kissi, sans mungwa, quand on a beaucoup, avec le magnétisme. Nous avons traité mon banzete, pas différent. Okay. Dans l'ordre des aînés, nous traitons toutes sortes de maladies mystiques, c'est-à-dire au Chibao, tout traitant. Au Liboma, au Mpese, au Ndikila, au Kibeka, au Poison, toutes sortes de maladies mystiques, tout traitant. Femme de nuit, mari de nuit, avec le magnétisme. Nous pratiquons la protection spirituelle dans l'ordre des aînés et nous pratiquons aussi la purification spirituelle. Ok. Ok. Mais en regardant votre diplôme, maître Madiams, nous avons comme l'impression que vous avez approximativement la secte. Dans le bas, égyptologie. Là, je parle égyptologue. Pendant mon aboussali, deux pyramides. Pyramide inversée. Renversé, pardon, option d'un journalisme, et bien, la pyramide normale, mais Bossangi, c'est quoi l'explication au fait? Merci beaucoup, c'est aussi de même dans nos, la plupart des élèves de l'ordre des aînés, c'est-à-dire la divinité est représentée par les chiffres 3. Ok. Là, je parle dans les symbolismes. Ok. C'est-à-dire le monde divin, le monde spirituel et le monde physique. C'est-à-dire, triangle les eaux représentées, symbole y a divinité. Alors, triangle à l'icolo, les eaux représentées, galaxie Ain, là où se retrouvent les anges noirs qui sont nos ancêtres cosmiques de l'espace. Et triangle à C, les eaux représentées, terre, nous les humains de la terre. Alors, là où il y a croisement, c'est ça ce qu'on appelle la mission Ouno. La mission dont nous, l'ordre des aînés, nous sommes en train de piloter. Okay. La mission Ouno, c'est une mission physique, matérielle et spirituelle qui est venue soutenir la mission de l'éveil spirituel de l'homme noir. Ce que l'homme noir a inventé, c'est parce qu'il a connecté un ancêtre cosmique avec les anges de la race. Il y a un mot. La religion, le peuple, la race, est connecté à nos ancêtres. Mais quel type d'ancêtres? Il y a des ancêtres défunts, qui sont koufis. Mais il faut que les ancêtres cosmiques qui sont les anges et la race. Quand Abraham, Élie, ainsi de suite, Isaac, ils ont immé à terre. Bangonde bazoua qui va bêter le soleil, bah ange na bangou, puisque personnalité historique. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. S'il y a un message, pourquoi vous avez dit que vous avez maître? Merci beaucoup. En lisant seulement la Bible, on ne peut pas être puissant. Pardon? En lisant seulement la Bible,
On ne peut pas être puissant. Maître, débat au déclenché. Ali Bossoa caméra. Je dis, en lisant tout simplement la Bible, okay. On ne peut pas être puissant. Comment? Si seulement le grand maître Jésus lui-même, dès son vivant, n'avait pas dévoilé les formules à ses disciples. À combien de fois un simple pasteur? C'est-à-dire, ils ont un solo et un cessé. Ils ont un solo et un cessé. Noir, mon côté, au sud de mon extraterrestre blanche, au sépel, au bing et diable. N'aimons pas, on va bien qui Lucifer, au hasard, premier ancêtre en abysso. Vous voyez que nous sommes noirs dans la planète Terre, on va bien qui est diable. Mais en réalité, R a quitté une nassa, ça a une diable. Non, ça a qui diable était. L'histoire de, du venu de l'homme noir sur la Terre a été tronquée. Voilà pourquoi le roi Léopold II avait dit. Faites tout aux noirs qui puissent haïr leurs ancêtres qui n'adorent que les nôtres, qui ne l'écouteront jamais. Et puis tout le monde obéit Abraham, Isaac, Jacob. Lilipa, et bien on matati l'élo. Mais n'importe lilipa matarate. Jésus a fait cette prière. Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Donne-nous le pain de ce jour. Tu l'as n'importe lilipa matarate. On est en spiritualité et en administration. La spiritualité s'incarne physiquement dans la science. Téléphone et la communication est initiée par télépathie. Ok. Comme et même qui un plus la science, de ça lui que scientifique bah vendi bah lui qui comment quoi adapter en haut de l'autre c'est la téléphone. Très bien. Oh les triangles et les pyramides. Bon triangle et pyramide ça revient au même. Okay. Mais nous devons savoir quand on parle de l'Égypte beaucoup de gens confondent des choses parce que les pyramides de l'Égypte, l'homme noir n'était qu'un main d'œuvre au Bétilisaki. Si réellement les pyramides de l'Égypte c'était construit par des noirs avec des savants des noirs à l'intérieur, un jour, bah savant noir, tout bah maître spirituel noir, bah qui ne peut décoder en haut. Mais ça va quand même indéler bah où t'as capoté, bah qui peut décoder en haut. Pourquoi? C'est-à-dire, quand on parle de l'Égypte, en réalité, ce n'est que la consolation. Or nous, dans l'ordre des aînés, nous évitons la consolation. C'est-à-dire, les pyramides de l'Égypte, ce sont Hermès Trismégiste et les princes Rara Ratmoun d'Atlantide qui ont venu solliciter aux Africains antiques que tant au continent Atlantide, il y a qui est Zinda. Normalement, il y a mon acquitté, bah savoir na bango et kubunga. Les bah qui n'Égypte les colons engomba bah c'est les bah pharaons de l'époque. Non vous pouvez sur place tout ça bah tombe y a bah roi nabiso. Oh bah les bah bon bah savoir na bango. Et au monaka bah pharaon bah bino. Comme ils appellent ro bon bah vestige nabino. Tant bah retourne bah tique la biso fait tout ça bah roi nabiso. So ok si ka ba pharaon africain bazali au monaka juste hein bah momie. Mais savoir la carte exacte. Mais oh y a bah mindele soro qui ok le connaître bah formule mathématique, bah formule scientifique. Oh bah scientifique na bah on suit bah c'est réincarné. Bah tangi bah fui archéologique tant bah kindaka na Égypte bah décodé pour ça et le rossi misa qui mutu. Ce qui est bien besoin la quantité. Moi dévoilant exacte. J'ai comme l'impression que ordre des aignes c'est la magie noire, c'est du féchitisme. Permettez-moi l'expression, mais quand on va expliquer plein soir là. Merci beaucoup. Quand on parle de la magie, c'est quoi d'abord la magie? La magie de la manière dont a été expliquée, interprétée, c'est d'une manière tronquée. C'est-à-dire, la magie en réalité c'est une abréviation qui veut dire M, mystère, A, ancestral, G, des grands, I, invocation et des esprits, c'est-à-dire mystère ancestral des grandes invocations des esprits. Les anges, ce sont des esprits vibrants à haute fréquence. Et nous, les humains de la Terre, nous sommes les esprits vibrants à basse fréquence. Ce sont les êtres supérieurs qui viennent influencer les êtres inférieurs. Bon, nous sommes inspirés à Rabiso. La magie est beauté télévision, est beauté caméra, est beauté invention, ni en sort. Mais quand on parle de la magie au sens négatif, en ce moment-là, il va dire qu'on a une connotation. Mais magie noire, c'est juste pour diaboliser tout ce qui est noir. Dans toute
les civilisations, dans toutes les races, dans toutes les spiritualités, il y a la magie blanche et la magie jaune. Et aussi, je m'excuse, la magie noire et la magie blanche. Comment la roue a déjà inventé, quand on parle de la magie noire, c'est la sorcellerie. C'est le fétichisme, c'est le spiritisme. C'est-à-dire, c'est juste les domaines invisibles, mais qui violent les lois de Dieu. Okay. C'est-à-dire, ça ce n'est pas la spiritualité. C'est la magie noire. Non, on ne le fait pas ça là. On va sorcier blanc, va zapper. Parce que les hommes magiciens, tous les féticheurs. Nazo linganaya. Ok. Donc quand on parle de la magie blanche, là je parle comme la loupe a déjà été inventée. C'est-à-dire, oh abengango, quitte abengango, mais ça t'a changé sous ce. Alors quand on parle de la magie blanche, c'est la spiritualité. C'est-à-dire la pureté du cœur et la blancheur d'esprit et la blancheur de l'esprit. Dans la spiritualité, on sert le monde invisible. Et tout en respectant les lois de Dieu. C'est-à-dire, étant un maître spirituel, j'ai la possibilité de maîtriser la nuit et les jours, connaissant les lois divines à qui qu'on frappe été. Parce que on reconnaît un maître spirituel par sa conscience et non par son pouvoir. Alors, nous dans l'ordre des aînés, nous pratiquons la spiritualité de haute sphère des noirs. C'est-à-dire, le fétichisme, c'est tout ce qui a trait avec les quatre éléments de la nature. Dans le fétiche, on utilise l'eau, la terre, le vent, l'air et les fées. Mais dans la spiritualité, hormis les quatre forces sacrées de la nature, on a aussi la possibilité de transcender les sphères dimensionnelles ou les plans interterrestres, entrer en contact avec les anges. Voilà pourquoi la magie influence aussi la spiritualité, là dans le sens positif. Mais nous, l'ordre des aînés, nous sommes à la fois une religion qui veut dire le mot religa, c'est-à-dire c'est le fait de connecter un peuple, un groupe de gens à un canal quelconque. Nous sommes aussi une spiritualité parce que dans l'ordre des aînés, nous étudions, nous apprenons la spiritualité comme une science. Nous sommes aussi une science parce que dans l'ordre des aînés, nous étudions la spiritualité avec le principe de base rationnelle qui sont révélés par les anges noirs. Okay. Maintenant, le chrétien utilise la Bible. Le musulman utilise les Korans. Dites-nous, alors, Aïnye, livre des bases, il y a Soubasma et Marambolo, comment on a dit? Merci beaucoup. Nous, dans l'ordre des Aïniens, nous avons comme le livre des bases des enseignements spirituels, okay. Le Végastine, okay. Qui veut dire la voix du ciel. C'est un livre qui parle sur la vérité de l'homme noir et qui détient la clé de son expansion. Okay. Le? La clé de son expansion. Le Végastine. Donc c'est ça, le soubassement, c'est la base. C'est le livre des enseignements spirituels de l'ordre des aînés. Très bien, nous demandons à la réalisation de nous balancer Espot et ces derniers. Et pour moi, une façon de souhaiter une excellente condition télévisuelle à toute la grande famille Mavungu, chinois ou bité. Balandia Standard Mag, Naël Susiliboso Nabino, Ponako Tel Sabino, Wapepaï, Concession Nabino, Les Palmiers et Zali. L'appel est tellement ébélé que Nalobi Naki Tangamona expliqué Bino Nengenini et Sengeli Bokoma na cité Les Palmiers Oezombo na commune Mongafula na quartier Kimwenza Ga Mingi Mingi na village Biseka Awa na outi Rompengaba na commune Triangle Boulangerie Nenge Bozomona na outi Upen na outi Upen na commune Triangle Boulangerie na outi Kasangulu Mitendi Mbeseke na commune Triangle Boulangerie Cité Verte. Nous avons un triangle de boulangerie Cité Verte. Nous avons un triangle awa boulangerie Cité Verte. Nous avons un triangle de boulangerie Cité Verte. Nous avons un triangle de
Il n'y a pas de réseau de transport. Il y a des gens qui sont à la gare. Et puis, à partir de la gare, il y a des réseaux de transport. Il y a encore un village Biseka. Touti, cité verte, on a entré à Kimwenza. Tu as commis ici à Kimwenza gare. Tu as commis à Kimwenza gare, mais tu as soutenu en été. Tu as commis ici vers pont. Bon, moi, on a tourné le rail, il y a train. Et puis, tu as commis à pont. Il n'y a pas de réseau de transport. Il y a comme ça, tu Namoka, Otobengi, Biseka. Tout ici, c'était vert, Néganazo le Bango. Tout ça, la Boépo, par rapport à l'appel Nabino, Nenge Bozomi Tungisa, Nenge Bolini Boéba, comment au commun à Biseka, la concession, les palmiers. Bissou est au commun à Kimwenza Gare, Mingi Mingi na Pont. Moi, je n'ai pas eu de moto à Bisso, Oeko à Bisso, Tina, Biseka, la concession, les palmiers. Voilà, tu as déjà ah, ouais, tu as entré à lac de ma vallée. Na ça bino so de cité verte au coma na Kimwenza gare, so comme na Kimwenza gare au coma na Kimwenza pont place ba moto telemaka au comata au comona lac de ma vallée. So mon lac de ma vallée c'est que on nzela ya malamu. Biso to komi na site na biso les palmiers ya o et puis mona mboka kovombala. A tient on a disposition yaba kinonyoso yaba kongolenyoso mona mboka kuvombala tie bisika yangwana nazo insister les boss kuvombala lobaki boza obligé te ya royara na 100 francs cash hein no yo yakananu mimonisa basengi yo 100 francs obité na tamona na 50 francs OK c'est bon boss kuvombala auzwana inanu a 50 francs ba sale le mikanda et tout bani ko baksanda mna muti ko 100 francs na hote hein les opportunités il faut saisir. Excellent retour dans ces beaux cadres Salon Dina Montréal dans la commune de Mongafula précisément à l'entrée Matadi Mayo oyo akoboya abimisalolemo afibalisu est-ce que okokoka a l'ordre des Aïniens, maître. Avant la côte, on a mis un mot dans ce là. Vu que vous avez un mot, je remercie Fumongusu Kiambunzalampana Nangola. Il m'a donné le piste de l'éveil. Ok. Grâce aux enseignements de Fouvamou, qui ainsi que Miasimono Anza. Ok. C'est aussi important. Pour que l'homme noir puisse comprendre la loi de la création. Ok. Je profite aussi de remercier Fumune Mwandantsemi parce que ce sont les grands pionniers de l'éveil spirituel en République démocratique du Congo, pourquoi pas en Afrique centrale. Okay. Ce sont des grands maîtres. Okay. Nous devons les respecter. Ok. Merci. C'est quoi l'ordre des Aïniens? Concrètement, ordre des Aïniens. Or, c'était un rêve, un cauchemar. Je ne sais pas où t'en es, l'ordre des Aïniens, Binigabou. Ah oui, l'ordre des Aïniens, c'est une inspiration révélée par les anges noirs le 18 mai 2005 par leur messager, le grand maître Ndebokolo Sylvain Tirbis, que le père fondateur de l'ordre des Aïniens, le canal d'émission réception de la théorie des Aïniens. C'est lui qui a reçu l'inspiration. C'est lui le premier noir entré en contact télépathique avec un groupe de 9000 anges noirs. Ok. Et voilà, l'ordre des Aïniens, la révélation a été inspirée le 18 mai 2005. Et vous êtes en maillot léopard. Et je pars. Terminé alors. Le 17 novembre 2008, c'est la création de l'ordre des Aïniens sur le plan administratif. Okay. Vous avez demandé le maillot. Vous portez le maillot de la République démocratique du Congo. Un mot pour le Congo étant qui est maître. Merci beaucoup. Étant le représentant national de l'ordre des Aïniens, Torosenganabakondia Mboka va prêter attention à l'ordre des Aïniens. Ok. Et si ka Oyo. Vérité est le bico et Zalaka, et Zaka, et Zanga Tina, et Sika Oyo Batuba négligeable. La preuve année, Mundela Zotang Sabatubo, nous avons la Bible, mais le quoi à Kodem, on va pouvoir comprendre, mais Jésus a Boutamani na Bethlehem, en Nakaban Paki. Cela veut dire quoi? Et Sika Vérité, il y a que Zaka négligé,
pour que Badongolo Musso va comprendre ma solo. Ordre des aînés, on a clé de développement et Afrique et puis à RDC. Ok. Clé. Clé. Parce que, ce côté, le sida est une maladie mortelle où il maintient et vaincre un côté. Mais récemment, il y a un Congolais qui a découvert l'antidote qui traite le sida. Ouais, ouais. Ce sont déjà des pistes où on va initier, on va comprendre. Okay. Est-ce que nos dirigeants savent que mon kilo mobile actuellement je dépend de la RDC. Est-ce que bien moi? Je me suis informé Bissot. Déjà, oxygène au monde entier c'est une grande partie à 75% de la forêt équatoriale. Nos dirigeants sont qui dit bas. Les coltans aussi. On y en sort. Ils ont technologie. Ok. Ils ont RDC. Est-ce que monde la routine a Bissot devant sa bonne amie la Bissot? Va passer, va te faire un peu de mouté, va te la lola. Mais passer dans son Android. Mais au bon sens, il faut appeler sa valeur dans ma belle ou ici qu'à Colton. Il faut s'en normalement, ils ont signé un bateau. Va se connecter à la génie créateur. Il faut révéler que Colton va se faire un nini. Pour le moment, il faut que Colton soit Colton. Tu vois quand on est au bois, il voit un zéke. Mais ceux qui sont connectés, ils sont connectés. Ah, en dehors, il y a côté, ceux qui sont aujourd'hui métal tel, et ça, ils sont tel. On les a mis sur la chambre. La preuve, on est guerre, il y a Ituri. Tout le monde a mis sur la conzi, il a pris attention. Or, la conzi, il a mis sur le service de renseignement. Et si on a mis sur la conzi, c'est-à-dire la conzi, je parle des dirigeants africains. Et ça, la carte, il y a un opposant. Mais c'est-à-dire, quand il y a une information est sensible, bon, nous avons approché, on a vu qu'est-ce qui se cache. Force, il y a un mot qui s'arrête pour la minérité, pour la minérité. Mais pour la connaissance, il y a besoin de détenir l'humanité et l'habité. Okay. Donc, un jour, si j'ai une chance, bah, ange na yo, ana noir, bah, pêche opportunité, ou comme ma place, bah, ça, là, bon. Bon, c'est le ciel qui va en décider. Mais ce qui est vrai, le jour où moi je vais croiser. Ou rencontrer le président Fatih comme intouchable dans le monde. Pardon? Moko, on a aux occasions de le président Fatih. Comme intouchable dans le monde. Donc, ça touchable. Jusque là, du fait que ça connecté na bonzambe na bisoté authentique, moi ça protéger zate. OK. La preuve en est fait Lumumba. Il fut un grand rosicrucien. Parmi le jeune rosicrucien de l'époque, il fut parmi. Mais là c'est la magie blanche. Je parlais de la rose quoi, okay. Je pèse bien mes mots. Mais pourquoi ba Simba qui est? C'est parce que ça beaucoup quoi ba paya. Chaque religion a la chambre mystique na yango. Ce que ça mon paya, et vous c'est ngoma qui là yango Jésus de Bible ko ba na ba tropé ça ba mboaté. Nani ba na ba tuba nani ba mboa. Alors tant que yo kei kuna oza mon paya, c'est-à-dire il faut créer ba robot astral. Monde là encore quand la femme son la rose quoi, des euros ko fina 90 ans pèse mototé. Yo kotika na 45 ba nosi ni sa famille. C'est parce que ba génio ba za kuna ba esprit ba za kuna ba ba koko na yo ezate ba ange na ba zate. Est-ce qu'on peut faire aussi la spiritualité sans sacrifice humain? Oui, c'est une très bonne question. Voilà pourquoi l'ordre des aîniens vient pour démystifier le spiritisme et la spiritualité. Dans la spiritualité positive, l'homme doit vivre, doit évoluer par son propre sueur et doit faire comme sacrifice son propre énergie. Donc, le sali était individuel. C'est-à-dire, on peut faire la spiritualité sans faire du sacrifice humain. Quand on fait des sacrifices humains dans la spiritualité, ce n'est pas la spiritualité, c'est le spiritisme. C'est quoi le spiritisme? Le spiritisme, c'est l'ensemble de doctrines où les sali qu'on pratiquait par principe invisible, mais tout en violant les lois dédiées. Les féticheurs, les sorciers sont des spirites. On peut invoquer des morts pour avoir un soutien spirituel. Mais l'ordre des aîniens nous dit que l'homme est une fontaine d'énergie vibrant à basse fréquence. Nous sommes des dieux. Il faut savoir manipuler la puissance qui dort en nous. Ce que moi je peux faire, même un enfant de 5 ans peut le faire, il suffit de lui initier seulement, de lui former. Donc vous n'êtes pas comme le Rose-Croix, non. Comme les Illuminati, comme le franc-maçon, comme, je ne sais pas, l'incancar.
tous ce que vous avez parlé comme désobéissance là, ils ont bah école ou bah mouvement étranger, soit occidental ou soit asiatique. Il y a un moment ils sont ok, bah on ne révèle jamais bah secret comme ça que Moïndo m'appelle Muto Konzapé Mokili. Faut zaka auxiliaire bah Mindele. Mais en plus, moi, numéro un, mais qui est le crime de la bande. Mais on a hors de désignés, comment manipuler la puissance, comment mettre en évidence. C'est-à-dire, dans l'ordre des aînés, nous pratiquons la résolution des problèmes. C'est-à-dire, comment éradiquer toutes sortes de problèmes mystiques et physiques. Celui qui est physique, il faut que la bonne on a jusqu'à la dernière énergie, dans l'inspiration. Ce qui est spirituel, il faut que zone la bonne zambo et la carte. Parce que l'homme est un microcosme et le macrocosme. Où ils ont la carte, ils ont la bande. Mais jadis, le blanc, il y a un RDC, il y a un Babylone, il y a un Bakenda au salon à mon nom. Ceux qui font abuser ça leur a un impact c'était. Mais bah on peut baya, bah soit babi qui connaît abuser Oyo côté à Congo central, bah yombe babi ngango, bah qui nyom, bah qui mondela, bah qui mbinding kuyu, bah iba 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 babi qui connaît abuser babiloro Bakenda ngango. Et ça leur a un impact. Mon rôle colon à bangote. Merci beaucoup. Dans la spiritualité, nous avons des époques. L'époque Yin et l'époque Yang. L'époque Yin a débuté depuis la période chamanique, c'est-à-dire Nabalan à peu près 50 000 ans avant notre ère. Tant l'homme de la terre a commencé la culte des ancêtres, la culte des morts, jusqu'à le 31 décembre 1962, les Silaki. Donc, on a l'époque Yang. Qui veut dire l'époque Yang veut dire l'époque de la lumière, de la vérité, la loi et l'ordre. La vérité peut se dire en public. Okay. Alors, époque Yin, il y avait certaines choses qui permis. Vous allez voir, moi, je suis moi, je filtrer l'éducation, il y a certaines choses qu'il faut vous un peu tolérant. Mais toi, tu as époque Yang, c'est-à-dire, on y a ce que la man a bonzambé par la lumière, par l'énergie. Il faut prendre sens, c'est un balobi. Fiat lux, que la lumière fit et la lumière soit. Ok, un mot pour l'église catholique, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'église est catholique, basalara ou babi naka messe de requiem, culte de mort. Un message? Quand on parle du messe de requiem, ok, c'est-à-dire, en réalité, c'est un rituel qui accompagne l'esprit de l'homme pour à transcender le plan astral. C'est-à-dire quoi? Quand l'homme meurt, après 45 jours, mon limo est mort. Il faut que quand on a mon qu'il y a mon limo. Ok. Même porte mon qu'il y a mon limo, ils sont invisibles. Et c'est un rabat accompagné esprit. Mais sango, pasteur, na kombo ya Yesu, o imam na kombo ya Mahomet. C'est impossible à côté de Samoutou. Au moins, c'est un commerçant qui a été capable de battre. Ok. Parce que, pour nous, la messe est requiemée. Et c'est qu'on a la porte, il y a un canal spirituel à Bino. On fond par quel code? Pour code de réalité. Pour code de réalité. On a connecté un ange à Bino. Mais tandis que nous, dans l'ordre des aînés, nous pratiquons l'élévation d'âme. C'est-à-dire, tellement l'esprit de l'homme est vendu dans nos autres et à Koutaki pendant le premier jour de la conception et de la grossesse, est vendu pendant 9 jours, je m'excuse, pendant 9 mois de grossesse, l'esprit a imprégné la forme physique. Donc, on a dit que nous la sensibilité pour qu'on ait. C'est-à-dire, on a une charge magnétique. Charge magnétique, on est à affinité matérielle ou est celle qui elle alourdit esprit à mutu. Alors mais c'est à recueillir moi sur le bossali on a 45e jour esprit à mutu est comme allégé et contre la tourbillon de lumière contre l'astral supérieur. Mais faut pas faire là bah van yaba y a porte y a monde spirituel à bino. Il faut que c'est un abat docteur astro tout à implorant les quatre gènes de l'univers
à travers ma corde nabino. Très bien, l'église catholique Moyoki, moi je suis un simple chien au milieu du village, je suis journaliste et nous sommes le quatrième pouvoir dans une démocratie bien établie. Maître Madiams, un mot de la fin à tous les internautes qui vous suivent en direct à partir de Standard Mag TV. Merci beaucoup, c'est un très bel magazine Standard TV. Merci. Qui nous a permis de s'exprimer, okay, d'essayer un peu de dévoiler la petite connaissance que nous dégageons. Okay. Il y a un grand savant qui avait dit, Albert Einstein, ouais. Le monde s'incline devant lui, lui s'incline devant le grand maître Peter de Nove. Moi aussi j'ai dit, le monde c'est la monde de la petite connaissance que je dégage. Mais moi, je m'incline devant le grand maître Ndebo Kolo Sylvestre, le messager des aînés sur la terre. L'os de mos. L'os de mos pour tous ceux qui vont chercher à approfondir ou à débattre ou à se changer sur l'ordre des aînés. Nous répondons sur les 00243 972 71 84 86. C'est le numéro WhatsApp. Je profite aussi à remercier les grands réalisateurs chinois Bité. Sans oublier le futur maître Emmanuel Balouvidi, Los de Mos. Merci, nous sommes arrivés, branchés et connectés sur Standard TV, Salon Dina Montréal. Ensemble, à la présentation, c'était Jordan Mavungu. Et je remercie ma grande équipe technique qui a été coachée et scotché encore par Chinois Oubité. Merci, Junior Tsingy. Au revoir.